kiss. It doesn't make sense to anybody else who cares. If you're all I think about, I've searched the world and I know now it ain't right. If you ain't lost your mind, yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Aujourd'hui pour la vidéo du choix de Chloé du mois d'août. Donc comme vous le savez, c'est un petit des petites vidéos en partenariat avec mon amie et partenaire Chloé du blog et de la chaîne Livre et Compagnie. Donc on se choisit chaque mois trois livres dans la palle de l'autre, et dans ces trois livres donc qu'on se choisit mutuellement, l'autre doit en choisir un hein, qu'elle va lire donc en ce mois. Et on aura une petite vidéo à faire et une chronique, bien entendu. Donc voilà, je vous retrouve pour le numéro du mois d'août. Il n'y en avait pas eu au mois de juillet parce que voilà, Chloé avait eu un petit peu de retard dans les lectures. Donc c'était pour qu'elle me rattrape. Donc voilà, je vais vous parler du livre donc, que j'ai choisi en ce mois d'août. Donc dans la sélection de trois livres, Chloé avait choisi dans ma palle La quête des Willan, donc le tome 2 de Pierre Bottero. Le tome 5 de 4 filles et un jean de Anne Brachard, et le livre mystère que j'ai choisi, donc qui est plus vraiment un mystère pour vous, qui est Le pays des contes, donc Le sortilège perdu de Chris Colfer. Donc je tiens aussi à remercier Amandine qui m'a envoyé ce livre dans le swap la magie en littérature qu'on avait fait toutes les deux là il n'y a pas très 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 longtemps, il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je la remercie parce que c'est vraiment un joli coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc j'étais en même temps étonnée et pas étonnée du tout d'aimer ce livre, parce que déjà j'en avais entendu beaucoup de très très bons avis. Et Chris Colfer, c'est l'un de mes acteurs préférés. Donc il joue dans la série Glee. Et moi, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suivais en tout cas la série Glee avec assiduité. Et il m'a toujours tiré les larmes et les frissons quand il chante. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Chris Colfer chanter, si vous ne le connaissez pas en tant que chanteur et acteur. Eh bien, je vous mettrai, si vous voulez, quelques liens de mes chansons préférées. Voilà, comme ça vous pourrez aller écouter. Mais moi j'adore l'entendre chanter, et je pensais pas que j'adorerais le lire. Vraiment, c'est l'homme aux milliers de talents. Chris a vraiment beaucoup de talent puisqu'il est acteur, chanteur, il est écrivain, mais il joue aussi, il est aussi un peu gymnaste ou quelque chose comme ça. Enfin, il est très comment dire, voilà, il a beaucoup de talent. Donc, et là ça fait une corde de plus à son arc. Alors Le pays des contes, c'est quoi? C'est deux jeunes ados, donc de 13 ans si je me trompe pas, 12 ou 13 ans, qui pas longtemps après leur anniversaire, ils vont recevoir un livre en fait de la part de leur grand-mère, donc le livre qui s'appelle Le pays des contes, qu'on leur lit depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils racontent les contes de notre enfance, donc la Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, enfin voilà, tout ça. Et malencontreusement, les enfants vont tomber dans le livre. Et c'est tout ce que je vous dirai. Parce que après, c'est un enchaînement d'aventures les plus rocambolesques les unes que les autres. Et voilà, c'est une super réécriture de tous les contes en même temps. Et en même temps, ça colle. Et moi je me dis, on doit avoir, enfin je sais pas, on est de la même génération avec Chris Colfer, c'est peut-être pour ça qu'on se comprend. Non mais moi il y a des choses qui m'ont rappelé à certaines choses que j'ai pu imaginer, même inventer en étant enfant. Je sais pas, vous vous êtes jamais dit vous que toutes les princesses habitaient au même endroit. Donc voilà, là c'est un peu ça. Et c'est une très 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 belle histoire. Et je me suis même fait mener en bateau parce que à un moment, je le disais à Chloé, j'avais l'impression de sentir venir quelque chose. Je me suis dit, oh là là, j'aime pas, je suis en train de deviner la fin, alors que, eh ben en fait, pas du tout. Je me suis encore fait des montagnes toute seule dans ma tête de rien. Il y a une petite chose que oui, je l'ai senti venir, mais alors pas du tout le reste.
Donc voilà, j'étais plutôt contente de m'être fait mener en bateau parce que c'est plutôt, je pense, un livre jeunesse. Mais vraiment, pour moi, ça peut être lu à tout âge. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est beaucoup d'aventures. Il y a un peu une quête. Les enfants doivent retrouver certains objets pour pouvoir retourner chez eux. Donc voilà, c'est très touchant, c'est très drôle à certains moments. Il y a des moments où ils se retrouvent dans la panade et on se demande comment ils vont s'en sortir. Donc voilà, c'est une très 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 jolie histoire. C'est un très beau conte si vous aimez les contes, si vous, voilà, vous aimez les contes originels et les réécritures de contes. Et bien franchement, jetez-vous sur ce livre parce que c'est juste un petit bonheur et j'ai hâte hâte de lire le tome 2. Parce que voilà, on en veut encore quand c'est terminé, et bon, on en veut encore plus. Pourtant, ça se termine pas sur un cliffhanger de fou. Voilà, ça pourrait très bien suffire à. Il peut très bien suffire à lui-même, mais voilà, on en veut encore. On veut encore plus de magie. Ça nous fait vraiment retomber en enfance. Ça m'a fait un bien fou de lire ce livre. Vraiment, on retombe vraiment en enfance. On s'imagine totalement, totalement que ça puisse être la réalité. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien de lire des livres comme ça. Ça fait un peu livre doudou, vous savez, où voilà, il nous réconforte, il nous fait chaud au cœur. Ça nous fait oublier vraiment tous les soucis qu'on peut avoir dans notre vie. Et ben là, voilà, ce livre, il est juste parfait pour ça. C'est juste magique, c'est féerique. Et voilà, rien que pour ça, vraiment, chapeau Chris Colfer, moi je suis... comblée, vraiment, je suis ravie, 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 ravie de ce livre. Et encore merci à Amandine de me l'avoir offert parce que, voilà, je sais pas si j'aurais pu me l'offrir. Donc je suis vraiment très, 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 très contente de l'avoir. Donc voilà pour cette petite vidéo du chouette Chloé. Elle a été assez courte, je pense, même si des moments je me rends pas compte du temps que je passe devant la caméra. Donc voilà tout le monde, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Et puis je vous retrouverai fin septembre de toute façon pour le choix de Chloé du mois de septembre. Je peux pas vous donner les trois livres que Chloé m'a sélectionné pour le mois de septembre parce qu'on l'a tout simplement pas encore fait. Donc voilà, vous aurez la surprise fin septembre. Ouh. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Je vous souhaite de très 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 belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.